se passer un truc horrible. J'ai pas de mots, c'est pas humain. Montrez-moi ça. Alors, mademoiselle, j'ai quelque chose. Arrêtons de tourner autour du pot. Oui, le gouvernement a fauté parce qu'il n'ose pas mettre en place une politique migratoire ferme, stricte, pour assurer la sécurité de ses citoyens. Madame la juge, ça circule partout. Une vidéo de votre viol a été postée sur le net. Tu le vois que les gens te regardent différemment. C'est parce que t'es celui qui a eu les couilles de dire ce que les autres disent pas. Et c'est pour ça qu'ils vont voter pour toi. Les choses doivent changer. Ta direction veut rajeunir notre public. J'ai besoin que tu sois impertinente, mais reste accessible, populaire. T'as vraiment sauvé cette fille? Oui, je l'ai sauvée. Tout le monde veut t'interviewer. Tiens, toi qu'on voit sur la vidéo, ouais. Faut que tu te barres. Qu'est-ce que tu veux? Je me demandais si j'étais pas devenu le candidat idéal. T'oublies que pas mal de monde te déteste ici. Oh putain! Tu crois que tu vas encore surfer longtemps sur cette histoire de viol? Pas prendre le risque d'être nommé tête de liste. George, tu te fous de ma gueule, là. Écoute, la décision est prise. On n'a pas retrouvé ce téléphone. Je clôture pas tant que je sais pas qui a filmé. T'as pensé à Van Dijk? Van Dijk? Claire, j'espère que tu sais ce que tu fais. Il y en a marre de laisser la parole aux hommes blancs, encore plus aux politiciens. Yes! Pourquoi tu t'acharnes? T'as vu ce que cette affaire t'a déjà coûté? Ça doit pas être facile tous les jours, votre boulot. Connasse. Je vais vous aider. Faites confiance à la justice. Vous y arrivez encore? C'est ce qui fait la différence entre vous et moi, monsieur Mendek.